Bonsoir à tous, c'est Génotype. Donc aujourd'hui on se retrouve sur la deuxième partie de Counter-Strike Global Offensive. Donc cette fois-ci on va vous démontrer les maps. Voilà, je lance un stick. Donc la première partie a malheureusement crashé quand j'ai lancé, si je me rappelle bien, une map de Dust 1 or 2, je sais pas. Donc là on va lancer un stick et on va la visiter un peu. Pas complètement car je n'ai pas le temps, donc voilà. Il y a aussi une nouvelle mise à jour qui nous a donné 3 nouvelles cartes et des nouveaux modes et une liste des serveurs que je vous montrerai sur la troisième vidéo. Donc voici, le chargement est assez long, donc je vais sûrement vous le faire passer. Voilà, donc ouais, chargement, je sais pas trop quoi vous dire. Tant que c'est le chargement. Voilà, donc anti-terroriste. Voilà, c'est bon, donc il y a l'hélicoptère comme d'habitude. Voilà, je me suis pris un prêt 1P2000. Donc on voit que niveau qualité de personnage c'est quand même bien. Enfin, elle est bien mieux que Counter-Strike Global Offensive Source. Donc l'eau est un peu mieux faite, je trouve. À part qu'en marche dedans, il n'y a pas de. Comment je pourrais dire ça. Niveau physique, on a toujours pas les tonneaux et les écrans d'ordinateur qui. Non, je l'ai tué, il est mort. Ah oui, il est mort. Là j'aurais pu le tuer, mais il est mort. Dommage. J'ai gagné assez d'argent, c'est bon ça. Allez, je vais prendre ce qu'on appelait le scout avant. Je sais pas si c'est le même. Faudrait que quelqu'un me le dise. Donc voilà, j'ai pris dans la flash. Je vais flasher les ennemis. Donc voilà, je vais vers la baie. Je sais pas pourquoi j'ai fait. Ah ouais, est-ce qu'il y a des ennemis là. Bam. Et bah voilà. One shoot dans le dos. Alors maintenant, j'ai un bouger de la porte. Ah oui, il y a un ennemi là, je vais buter. Allez, vas-y. Oh dommage, tant pis. C'est sûrement un bot qui cheat. Donc, ouais. Oh, headshot. Bot Henry, voilà. Donc, je vous fais une petite démonstration, on va vite fait là. Un screenshot de Steam. Il était sur les anciens jeux, mais. Ah ouais, dans la nouvelle mise à jour on peut maintenant prendre 2 flashs. Avant, à la première sortie de. Enfin la première version de la bêta fermée, on pouvait prendre plusieurs grenades, je pense que c'était 3 grenades, enfin les mêmes, du même type de flash blank, grenade flash. Et maintenant on peut plus, et maintenant on peut en prendre mais 2, mais que de la catégorie des flashs. Voilà, donc je vais le tuer. Ah dommage. Si j'ai réussi. C'est bon. Les bots ont moins de temps, ils sont assez lents. Mais je dois trouver les bonnes parties. Enfin, trouver les bonnes parties si tu fais une partie. Je peux choisir la map très vite fait. Donc les grenades. Elles ont un nouvel effet. Que je vais vous montrer là maintenant. Une espèce d'onde de choc, je sais pas quoi. Voilà, on va devoir. Ah, y'a un ennemi là-bas en dessous à gauche, je pas. Encore le jouer, donc voilà. Alors. Allez, je vais le tuer, j'espère. Ainsi qu'il aura dessus, je le. Ah, bah c'est bon. Voilà, donc on voit. Ah, mais on voit pas son corps dans la réflexion. Les rois, etc., on le voit pas, c'est bizarre. Ah, Zeus. Donc, pour ceux qui savent pas, le Zeus, c'est le. De ah ouais, ce que je peux dire de nouveau, ben, enfin, j'ai revenir sur les, si je peux dire, les bugs de mon ancienne vidéo. C'est que je me suis trompé, on a bien plusieurs couteaux, enfin un différent par équipe. Je pensais qu'avec qu'un seul, pour les deux équipes.
Et boum, one shoot. Dommage pour lui. Même pas du tout. Bon bref, si je peux dire autre chose, je vais bientôt montrer des bêta d'autres jeux tels que Nexus. N-E-X-U. Ah bah ouais, j'ai tasé. C'est un espèce de Quake sur le moteur de Crysis 2. J'ai aussi une bêta de Ghost Recon Online. Le problème c'est que j'ai un écran noir quand ça se lance. Ça m'embête fortement. Apparemment il y a plein de personnes qui, enfin, dans mes amis et qui ne le sont pas, qui disent que c'est les grosses configs qui sont en train de tourner. C'est bizarre. Attends, je vais mettre une autre map, voilà. Et apparemment, et j'ai aussi un autre jeu. Apparemment non. Une date de démonstration, mais je pense pas que je vais les faire. Et j'ai aussi un autre jeu, c'est quoi encore? Blacklight Restribution, c'est ça, ouais. C'est un jeu qui a l'air bien, donc je l'ai téléchargé, mais il y a une barre de chargement avec marqué Ready, il n'y a pas le bouton Ready pour lancer le jeu. Bah voilà, donc j'ai pas lancé le jeu. On va se lancer des Dust One, un en tout là. Classique, occasionnel. Sur la carte au-dessus, est-ce qu'on peut poser les bombes? A, B. C'est une carte plus tactique. Ah bah voilà, le crit dégage. On le voit. Je vais prendre terroriste, je pense. Ouais. Donc voilà. Pistolet, bah Tech-9. Ah ouais, la bombe. Faut que je montre. Voilà, on voit la personne qu'il y a la bombe. Ça clignote dans son dos. Je sais pas si c'était plus utile. Attends, je vais le tuer. Ah, mais non, c'est pas obligé de tuer. Je suis pas comme ça, je tue pas mes coéquipiers, mais bon, c'est un bot donc. C'est pas très grave. Quand on est... Enfin, je suis tout seul donc. C'est pas très grave. Ah, d'habitude, je suis pas mes coéquipiers, je tue jamais mes coéquipiers. Ce que j'aime pas dans cette version, c'est pas. Bien que dans les jeux Valve, c'est jamais la réalité qu'ils cherchent à voir, mais bon. Alors, on va prendre. C'est là que j'aime bien, c'est Cofice. Donc voilà, Cofice. Ah oui, si on. Je sais pas si vous avez déjà joué à Counter-Strike au 1.6, logiquement oui, à peu près, parce que tous ceux qui ont bien aimé Global Offensive et ma vidéo. Pour ceux qui ont joué à Global, non, à 1.6, il y a une map que j'aimais bien, c'était CS-747 avec un Boeing. J'aimerais savoir s'il y a une map non officielle sur Counter-Strike Source et ou Global Offensive qui compte sortir. En projet ou n'importe quoi, c'est bien qu'il y a. Ah ouais, il y a même pour les otages sur la carte, c'est bien ça. Parce que ça a l'air parce que j'aime bien cette map là, donc voilà. Central South of Ice Park. Allez, les tableaux ne tombent plus. Ah, les otages bougent, c'est bien. On voit même qu'ils ont été agressés. Par contre, ils bougent en même temps, ils bougent comme s'ils étaient synchronisés, donc c'est un peu mal fait, je trouve. De toute façon, on va pas passer son temps à regarder les otages, donc je vois. Thank you.
bizarrement à la TV. Il y avait un easter egg, on voyait une image de rat avec le nom du créateur de... Ce qui est bizarre, c'est que le 4, on va être pas tapé. C'est exactement le même Counter-Strike Source, mais il est moins beau. Il est pixelisé, enfin il est légèrement pixelisé si vous avez vu Ah ouais, je pense que c'est une nouveauté, c'est que le distributeur donne de la lumière. On voit qu'il y a un niveau de lumière enfin plus poussé dans cette version. Il y a une ambiance. Et là l'ombre elle est dynamique, si... oh non, on en a vu. Le drapeau il bouge et l'ombre aussi, j'ai pas regardé le drapeau en fait. Il se casse pas. Attends, ça se casse comme dans les installations. Ah, on voit le tableau là. Là, il a pas l'air très pixelisé. Peut-être quand on se rapproche, peut-être. Je sais pas. Pas la position des étages. Et ce qui m'embête, c'est que j'ai quand même un bon PC et que le chargement est super long. Ça, c'est embêtant. Ah, si on voit les étages, en fait. Faut le temps que ça s'affiche. Ah oui, il y a plus de passages sur cette map, cette carte. Anti-terroriste, c'est bon, allez. On va faire un carnage. Seulement un Glock, dommage. Je lui parle en fait. À gauche. Donc la troisième partie que j'ai prévu de faire, ce sera sur les nouvelles cartes du mode démolition. Non, avant, on devait descendre ici. Ce que je cherche, je devais descendre pour aller dans une cavale. En fait, il fallait passer par autre part. Je pense que je vais aller voir, ouais, c'est à gauche. Je vais lancer une cavale. FAMAS. Ah, ce que j'aime bien aussi, c'est la fumée. Ah ouais, la fumée que dégagent les armes. Par contre, ce que j'aime pas non plus, c'est. C'est que les débris de vitres sont les mêmes que Counter-Strike Source. Et pour ceux qui ont vu. Qui ont joué à. Enfin, souvent à CS, je pense. Ah non, c'est Dinuk. La version sur ah oui, on peut voir quand on va dans la version dans la bombe B, il y a des portes vitrées et si vous tirez dessus, il y a des débris vraiment super bien faits. Ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'ils sont plus colorés les bots sur la carte. Ah, il y a une ennemi là-bas.
façon, je l'aurais tué, hein. C'était juste pour laisser en vie en fait. Ah ouais, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous m'avez déjà fait plaisir, sachez bien ce que vous m'avez fait quand même, je sais pas combien, une quinzaine de nouvelles abonnés. C'est que si j'ai, c'est pas pour la pub, c'est pas vraiment que je veux, enfin si j'ai bien gagner des abonnés, mais c'est pas vraiment pour les abonnés que je demande ça, c'est, oh il y en a mille. Et je l'ai tué. C'est que si j'ai 500 abonnés et 1000 vues par vidéo, c'est plus facile de faire vidéo parce que si vous faites à chaque fois rafraîchir la page, ça fonctionne. Bah, je sais bien qu'une demande, c'est pas vraiment très bien à faire parce que voilà, c'est pas bon pour les autres qui font des vidéos. Mais j'aurai la fonction streaming. Donc pour ceux qui savent pas, c'est pour faire. Quand même temps que je joue, ça vous envoie la vidéo en même temps directement. Que ça l'enregistre directement, ce sera plus facile parce que si vous voulez voir des bêtas que je peux pas enregistrer, ils pourront pas les effacer la vidéo parce que c'est en streaming en même temps, ils pourront pas l'effacer et vous pourrez la voir. Donc j'ai des bêtas, enfin j'ai plusieurs bêtas, j'ai Nexus comme je vous l'ai dit au début, Counter Strike Global Offensive, ça j'ai le droit, voilà quoi. Kid Wars 2, j'ai pas le droit. Il faudrait faire la fonction streaming. Et en plus c'est plus rapide pour vous envoyer vidéo. Il n'y a pas de traitement à faire ni rien. En plus ce sera plus marrant parce que. Non, c'est plus que ça cache. Je compte faire des jeux qui sont assez flippants. Ce sera assez marrant si je mets le micro. Ça va vous faire marrer si je mettais le micro. Mais je suis pas derrière. Je vais juste faire semblant ce diamant. Et voilà, Ethan est mort. Allez, dernier. Il est où? Ouf! Oh la chance, headshot!